Ouais, c'est vrai que c'est un peu fastidieux, en plus à chaque fois il faut avoir son téléphone sur soi, c'est Ouais, pas c'est l'idéal. surtout lent, long, et puis du coup tu peux cliquer vite fait deux fois sur le code et bien recevoir deux et mettre le mot. Enfin bref, c'est Ouais, chiant. c'est pas... En plus, c'est que c'est même plus sécurisé, c'est même plus reconnu par Microsoft par exemple. C'est vrai? Ils le Ouais. déprécient? Ouais, ils l'ont déprécié parce que en gros, bah, il y a le problème du SIM swapping par exemple, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Pas spécialement. En gros, le principe c'est qu'on peut assez facilement usurper ton numéro de téléphone et je peux assez facilement transférer tous les SMS que tu reçois toi sur ton numéro sur ma propre carte SIM. Facilement? Assez facilement en fait, il me suffit simplement de récupérer quelques données personnelles que tu as, donc par exemple ton adresse, sachant qu'on habite ensemble, bah, c'est plutôt facile. Ton nom, ton prénom, bah, je les connais aussi, ta date de naissance par exemple, et donc ensuite j'appelle tout simplement ton service après-vente de ton opérateur et je dis bah, tiens, on m'a volé mon téléphone, est-ce que vous pouvez transférer mon numéro de téléphone sur une nouvelle carte SIM? Et bah, quelques informations qui sont issues du social engineering, hein, tout simplement, et je vais pouvoir récupérer toutes tes SMS directement sur ma carte SIM et ça en quelques jours. Et le pire dans tout ça, c'est que ton téléphone ne marchera même plus parce que toi, tu vas perdre le réseau. Donc tu ne pourras même plus réagir rapidement. Tu vas juste constater que tu n'as plus de réseau. Moi, en attendant, j'aurai tous tes SMS et à partir de là, je peux accéder absolument à tous tes comptes, ta banque, enfin tout ce que je veux. J'ai tous tes codes de confirmation qui arrivent chez moi directement. Punaise, je pensais pas que c'était aussi simple. Bah en fait, c'est assez simple. Alors évidemment, il y a des sécurités qui existent. Hein. C'est pas si simple que ça non plus. Les opérateurs font partie de consortiums de sécurité. Donc normalement, ils peuvent demander également une carte d'identité ou des choses comme ça qui sont quand même plus compliquées à obtenir. Et puis au-delà de ça, c'est quand même un cas qui est relativement rare parce qu'il faut être connu pour être ciblé par ce genre d'attaque parce que ça intéresse pas grand monde sinon. Mais par contre, il y a des techniques qui sont encore plus poussées que simplement appeler un service après-vente. Tu peux aussi simplement corrompre quelqu'un directement chez un opérateur, donc lui filer de l'argent pour qu'il transfère ton numéro directement en interne. Donc c'est assez poussé et c'est déjà arrivé à des gens connus. Hein. Tu as des gens riches ou connus qui se sont déjà fait avoir avec ce genre de technique et c'est très difficile de s'en prémunir. Ok, bah finalement en fait ça m'étonne même pas, mais moi de toute façon sur mes comptes à moi où je choisis la double authentification, je le fais tout le temps avec Google Authenticator. Ouais, ça c'est cool, c'est le code qui se régénère là tout le Ouais, temps. c'est ça. Après c'est un peu chiant parce que bah, le code dure 10 secondes ou 15 Ouais. secondes, quelque chose comme ça, donc des fois t'es en train de l'écrire et puis bon, il y a le suivant qui Ouais, il passe, disparaît. mais au moins t'es sûr que c'est sécure quoi. Bah après, ils ont une nouvelle technique maintenant, c'est avec des petites clés USB que tu peux brancher et qui servent d'authentification. Ça c'est pas mal, je sais pas si t'as déjà vu ça. Bah, on m'en a déjà parlé, mais j'ai jamais utilisé. En fait, le fait d'avoir un petit device physique, ça me plaisait pas, du coup, je me suis pas spécialement informé, quoi. Mais je sais pas trop comment ça marche et comment c'est compatible, mais Moi non on plus. pourrait peut-être demander. Tu te souviens de Jules? Bah oui. L'expert en Ah sécurité. On ouais. pourrait peut-être l'appeler parce que lui, à mon avis, il pourrait nous renseigner. On pourrait l'inviter. Ouais. Bah écoute, je l'appelle tout de Ah bah suite, et puis carrément, on moi va ça voir s'il vient. m'intéresse. Je vais juste me mettre par là-bas, histoire qu'on soit pas trop collés tous Ouais, ensemble. ça marche. Ouais, c'est mieux. Bah, merci Jules en tout cas d'être venu. Bah merci à vous, Colin et Thibault. Mais en fait, on avait plein de questions sur la sécurité, on s'est dit qui de mieux que Jules pour nous répondre à toutes ces questions. On parlait Parfait. notamment de Google Authenticator, est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche du coup Ouais, sur un bah site? super, on va voir comment on peut setup Google Authenticator sur GitHub. Du coup, quand vous êtes sur votre compte GitHub, dans la partie compte sécurité, vous avez la possibilité de activer la double authentification quand on clique ici. Et là, du coup, on a la possibilité de faire setup using an app. Du coup, nous, on va utiliser l'application Google Authenticator. Donc, le premier truc à faire, c'est de cliquer sur ce bouton. Donc là, en fait, il nous donne une seule fois les codes de récupération si jamais on désinstalle l'application et qu'on oublie de backup tout ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est soit on download, soit on les copie, on les met quelque part. Mais c'est ces codes-là qu'il faut garder en sécurité. Ensuite, quand on fait next, on a la possibilité de scanner un QR code. Donc là, il faut avoir installé l'application Google Authenticator et faire plus. Donc qu'est-ce qu'on veut? C'est scanner un QR code. C'est plutôt facile hein, jusque-là. Ouais, Ouais, ouais. jusqu'à là. Et là, du coup, on voit bien qu'il nous a ajouté le compte GitHub. Trop cool. Donc là, en fait, il me demande de rentrer les 6 chiffres qu'on voit ici. Donc si je les entre, 4, 2, 5. Là, normalement, la double authentification et Google Authenticator, elle est activée. Donc, on va voir ça si je me déconnecte. Que je me reconnecte. Bam. Alors là, il me propose, en utilisant l'application à deux facteurs. Du coup, là, on voit le code, donc 189 746. Et là, du Trop coup, bah, bien. c'est bon, je suis connecté. Parfait. C'est vraiment trop cool. Et du coup, Ouais, ça, c'est. effectivement, le code se régénère régulièrement, du coup, C'est ça. donc c'est sécurisé. Le code, il dure 1 minute 30. Du coup, on a aussi la possibilité de modifier bah, la durée de validité de ce code. Ah, ok, je peux donc changer Mais. ça moi-même. Voilà, c'est Ouais. ça. Ok, ça c'est cool, Ouais, effectivement. c'est. Alors, il y a d'autres techniques, on parlait tout à l'heure de se connecter avec, par exemple, une clé de sécurité ou un truc comme ça. Ouais. Et je crois que tu as une clé en plus. Ouais, bah oui, j'ai ramené Trop avec moi, bien. carrément.
Parce que je me suis toujours demandé comment ça marche, est-ce que c'est fiable et comment ça se configure. Ouais. Sur... On peut se connecter par exemple à un compte Google avec ça? Ouais, bah ouais, carrément, on va voir comment ça se passe du coup. Donc, cette petite clé, elle est fabriquée par une société qui s'appelle YubiKey, et elle s'appelle YubiKo. Et ça coûte combien du coup une clé comme ça? Alors ça, c'est la clé entrée de gamme, du coup elle vaut 25€. Mais ça peut monter jusqu'à 50€ en fonction du type de clé. Okay. On a par exemple des clés qui sont compatibles avec l'USB-C, donc qu'on pourrait brancher directement sur son téléphone. Ok, ah, d'accord. C'est... Donc c'est ça la différence qu'il y a de prix entre 25 et 50€ c'est ça, c'est en fonction des fonctionnalités disponibles via la clé. Du coup, sur Google, donc, on a la possibilité d'activer l'authentification à double facteur. Donc là, si je descends ici, on a la possibilité soit d'utiliser Google Authenticator, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser notre petite clé présente ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter une clé de sécurité. Donc là, il nous propose soit d'utiliser une clé dématérialisée via un téléphone, soit d'utiliser une clé USB ou une clé Bluetooth, parce qu'il faut savoir que Google aussi fournit des clés, c'est les clés Titan. Okay. Donc là, si je clique ici, il me demande si je dispose d'une clé, je vais lui dire oui. Donc maintenant, il faut brancher la clé. Donc là, quand je branche la clé ici, on voit que là, il y a une pop-up qui vient de s'activer. Ouais. Donc là, il faut cliquer sur le petit bouton qui clignote au milieu. Ok. Excellent. Et là, du coup, il nous demande comment on veut appeler cette clé. Et je vais l'appeler clé Jules. Voilà. Et là, du coup, on a notre compte Google qui est protégé grâce à cette petite clé. Donc pareil, si je me connecte sur, par exemple, une fenêtre de navigation privée, j'accepte, puis je fais connexion, donc.com, je mets mon adresse Gmail, ensuite je saisis mon mot de passe classique. Donc là, il va me demander comment je veux valider l'autre. Il va me demander de brancher la clé. Du coup, donc pareil, je remets ma clé ici, j'appuie au milieu. Et là voilà. C'est cool parce que c'est vraiment instantané en plus, hein, comme fonctionnement. Et ça se configure en une minute même pas, et après c'est sécurisé. Alors par contre, il faut avoir sa clé sur soi, ça c'est le problème. Ça. Donc du coup, il y a deux écoles, c'est-à-dire soit on a Google Authenticator, soit on a la clé. Au niveau de la sécurité, c'est un peu la même. C'est ça. Dans les deux cas, si tu perds tes codes Google Authenticator, tu pourras plus te connecter. Mmh. Et si tu perds ta clé physique, tu pourras plus te connecter non plus. Ça, c'est un peu galère. Okay. Alors, question un peu plus tech maintenant. Donc là, on a vu sur un site grand public comment on peut utiliser Google Authenticator, par exemple. Comment je fais pour le configurer sur mon propre serveur ou un truc comme ça, par exemple? Donc là, je vais te montrer l'exemple d'un serveur où j'ai besoin de me connecter en SSH. Donc, il y a un paquet Google Authenticator qu'il faut télécharger. Une fois qu'on l'a installé, on a juste à utiliser ce tools. Et là, il va nous demander si on veut utiliser les tokens basés sur le temps. Donc, on va lui dire oui. Là, il va nous générer le QR code. Donc là, il va de nouveau falloir utiliser l'application. Donc, plus, scanner un QR code. Et là, du coup, il a enregistré le QR code. Il a enregistré la double authentification sur le serveur. Donc là, il nous pose encore quelques questions de paramétrage. Voilà. Donc là, si je quitte le serveur, voilà, j'essaie de me reconnecter, il va d'abord me demander mon mot de passe classique, et ensuite il va me demander le code de vérification Google, donc là 173 978, et là me voilà connecté sur mon serveur à l'aide de la double authentification et de Google Authenticator. Okay. Et du coup là t'es méga sécure quoi. Alors, parce que c'est ton serveur à toi celui-là. C'est mon serveur à moi. Ouais. Je sais pas si on peut utiliser méga secure, mais ça ajoute une couche de sécurité au mot de passe classique. Okay. Et c'est vachement facile du coup. Et voilà, comme dit, on a vu que c'était fait en moins de 2 minutes. Ouais, quoi, c'est 1 minute 30. Hein. C'est vraiment hyper c'est cool. Pratique. Merci beaucoup, Jules, pour toutes ces explications. Maintenant, on est des grands experts en technologie de sécurité. J'espère. On va te laisser repartir à tes occupations. Merci beaucoup d'être venu.